Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous nous sommes rendus à Hauteforts, grande ville qui était la ville où Sten s'était barré. On a appris un petit peu plus sur son histoire, chef d'une armée, commandant. Il y a eu une guerre, il s'est laissé pour mort, il a eu honte, il s'est barré, sauf que nous sommes obligés de revenir à Hauteforts pour récupérer la flûte. Céleste, qui nous permet de mieux comprendre les gens de Musicea. Je sais toujours pas si c'est le bon nom. Sauf que il y a eu un putsch, il y a eu prise de pouvoir. On a retrouvé Turbo, le pote de Stain. On s'est battu, on a fait un petit donjon un peu compliqué, là, un boss assez retors. Et nous voici avec Stain, toujours plus beau, toujours plus fort. Et nous allons nous rendre à Musicea, donc demi-tour. Je n'ai personne avec la capacité de téléportation, donc on va y aller à pied. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ça c'est de l'XP gratuit, du coup je prends. Si vous faites le jeu et que vous avez ces mobs, que vous les rencontrez, normalement vous les rencontrez au bout d'une dizaine d'heures, j'insiste vraiment pour que vous les fassiez parce qu'ils rapportent beaucoup d'XP chacun. Par contre, probabilité pour qu'il se barre assez forte. Et je me souvenais plus qu'il mette autant de dégâts. Par contre, Nina qui tape deux critiques, c'est bien cool. Voilà, 12 000 d'XP. Je vous assure qu'avec notre localisation, c'est vraiment, vraiment optimal. Ça par contre, j'aime pas. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ces basiques. Faudrait que je pense à mettre plus d'armure sur 4 quand j'arriverai à une boutique. Ah oui, et fumer, je le rappelle, ça ne sert à rien du tout. Je l'ai essayé plusieurs fois. Que dalle. Vraiment que dalle. Et je n'ai plus aucun objet de soin. Regardez, je vais faire fumer. Hein, rencontrer moins d'ennemis. Voilà. Vous allez voir, ça va servir à grand chose. Voilà. Pas grand chose du tout, ouais. Oh les crocodinos. Pas de gros. Ah si, ça va me faire éclair au premier tour ça. Je retiens juste que ça fait éclair premier tour et après plus rien. Heureusement, tout le monde peut supporter deux éclairs. À moins d'un critique. Si jamais c'est possible un critique. Alors vous entendez des bruits, c'est parce qu'on est le matin. En général, j'enregistre soit le matin, soit l'après-midi. Là, on est le matin. Matin, 7h30, Breath of Fire. La passion me guide. Enfin, le stock de vidéos aussi me guide. C'est-à-dire que j'ai plus trop de stock, là. Et que vous allez en avoir encore jusqu'à fin juillet. Actuellement. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Au secours. Faudrait que je pense aussi à mettre des thunes de côté. Donc, direction Musicea. Qui est, je crois, là-haut.
ça, c'est pas là. C'est pas là du tout. Non, c'est tout à gauche. Ah, et je vous l'ai pas dit, mais pendant que j'avais farmé juste avant au fort, j'ai trouvé un endroit secret où il sera possible de récupérer un personnage. Un personnage optionnel, évidemment. Faudra que je vous le montre si je me souviens de où c'est. J'ai le droit de fuir? Ouais, j'ai le droit de fuir. Mais là, actuellement, je peux pas encore le récupérer dans l'histoire. Alors, on va se dormir. On va dormir, faire 2-3 courses, et puis ça ira bien. Faut surtout que je prenne du soin, parce que j'ai plus de soin du tout. Donc là, normalement, je peux parler à toutes ces personnes avec la flûte. Alors, bienvenue au buzzer. Eh ben, il me faut un max de soins bleus. Ah, j'ai 10 000 de thunes. Ah, je me souvenais pas que j'avais autant. Bah, je vais mettre un petit peu de côté. Objet, on va les mettre en ordre. Voilà. On va déposer des thunes. Surtout que là, des thunes, j'en ai quand même déposé 6 000. J'en ai déjà 6 000. On va en mettre 3 000. Hein. Ouais, je fais 3 par 3. Voilà, donc là j'ai 9 000 sur mon compte en banque. C'est toujours utile. Toujours utile si jamais j'ai besoin de beaucoup d'objets. Normalement, je suis cuisinière du château, mais la reine n'aime plus ma cuisine. Donc j'ai été renvoyée. Ah, enfin, je peux leur parler. Notre reine est terrible. Elle est si gâtée. Elle rend toujours les choses difficiles pour les autres. Ah là là. Normalement, je suis cuisinière, mais je t'ai déjà parlé. D'accord, oui. Et wesh mec, ça y est, je peux parler aux gens. Vous êtes en voyage? Ah, ils comprennent pour envoyer, bon, ça tu me l'as dit. Oui. Oui, c'est bon. Allez, c'est toi. Je vais remettre Ryu, par contre. Oh, c'est la célèbre flûte, n'est-ce pas? Vous pouvez nous parler avec cela? Yes. Trop bien. Alors, il faudrait aussi que je sauvegarde. Bienvenue à l'armurerie. Oui, voyons, voyons. 4, 4, 4, 4. C'est quoi ça? Armure protectrice, souffle, air. Qu'est-ce qu'elle a déjà comme armure, elle? Elle a déjà un souffle à air. Ouais, elle a déjà 83 en défense. Donc, c'est pas ici que je vais trouver quelque chose pour mieux me défendre. Voyons, sauvegarde. Sauvegarde, et puis on va avancer dans l'histoire. On va filer 100 balles. Hein. Bah, je vais te faire un don. Prends 100 balles. Voilà. Je sais plus combien de fois je l'ai fait. Mais je peux donner les 3 000 balles nécessaires pour un objet qui influera sur la fin du jeu. Je me demande combien de gens l'ont fait à cette époque. Peut-être personne. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Alors, le château. Notre reine est terrible. Oui, c'est bon, j'ai compris. Eh bien, on va la voir, ta reine. En ce moment, la reine est malade. C'est pas vrai. Oh, c'est un problème. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour guérir sa maladie? L'illuminateur a fait un petit freeze. Ah, oh, je sais pas, je n'en sais rien, Micheline. Ah, tiens, salut. Salut, copain. J'ai été embauché par ce château en tant que garde. Ok, bah tu fais ton travail. C'est l'endroit où se trouve un trésor très précieux. Le commun des mortels ne peut y aller. Wesh! Mais je le veux, c'est un coffre. Je le veux, merde. Oh, les radins. Je ne
ne sais plus si j'avais visité tout ça. Depuis qu'un nouveau cuisinier a pris ses fonctions, il n'y a plus de cafards dans la cuisine. C'est pas vrai. C'est bien que... C'est pas vrai. Le chef chenille... Le chef, virgule, chenille, ok. Utilise des saveurs intéressantes, mais il ne va pas me dire quels sont les ingrédients il utilise. Oh, si vous saviez. Ouais, non, ne sachez pas, finalement. Ah, la nourriture est bonne et les femmes sont jolies. À vrai dire, c'est le paradis. Et vous allez me dire, ouais. C'est un endroit super, bah, si on pouvait communiquer avec tout le monde, ah, ça serait mieux. Oh, la reine, c'est quelque chose. Quoi que je fasse, elle mange 10 portions facilement. Eh ben, on va la voir, la reine. Oui, talent comédien de doublage. Voilà, c'est difficile, mais une fois que j'y suis, j'y suis. En ce moment, la reine est malade, oui. Oh, c'est un problème, oui. Ah là là. Bon, j'ai arrêté de vous parler finalement, moi. Oui, bon, d'accord. On sent que vous répétez tout ce qui est dit. Et bah, c'est pas là que je devais aller en plus. En plus! Très belle musique en tout cas, c'est très reposant. Alors, c'est bon, je peux y aller. Oh, comprenez-vous ce que je dis? Alors écoutez, la reine a vraiment de l'excédent. Elle ne va bientôt plus pouvoir marcher. Ah, si elle ne perd pas du poids, elle va mourir. Ah, citoyen, sauvez la reine. D'accord. Le vieux Gabe a été renvoyé parce qu'il avait du tempérament et parce qu'il n'avait pas de respect pour les femmes. Ah, d'après les rumeurs, il a été banni sur une petite île. Ah, je déteste l'admettre, mais seul Gabe peut... Ok. Alors, il faut que j'aille sur une île. Là, la quête, c'est... Va sur une île. Quelque part, tu trouves un mec qui s'appelle Gabe. Voilà, Gabe. Il s'appelle Gabe. Et tu lui dis, voilà frère, viens sauver la reine. Parce que sinon, c'est la merde. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, là, je peux y aller. Ouais. C'est pas l'air très intéressant. Donc, eh ben, écoutez, on est reparti pour voyager en mer. Fouiller les îles. Parce que concrètement, c'est ce qu'on va faire. Et avancer dans l'histoire. Mais d'abord, un combat nul. C'était un combat nul. Bon, trouver une île. On m'a dit une petite île. Il faut que je trouve une petite île. Alors, voyons, voyons. Une petite île, et ben il y a en haut, il y a en... Non, pas en bas. Moi, je ne vois que en haut. À moins que ce soit une ville et que je me trompe très très fort. Dans ce cas-là, bah écoutez, hein, solution. Ben, d'ailleurs, je crois que c'est là en plus. Je crois que j'ai déjà visité cet endroit. Mais alors, le nom. Comment ça, fut raté? Oh là là, puis en plus sur des trucs comme... Sur des trucs pareils. Ou alors, mine de rien, maintenant, les pollens, ça picote. Ça picote fort. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le code du jeu? Parce que ça là-bas c'est censé être des trucs que tu rencontres au bout de 2 heures et que tu... et auxquels tu farmes. Mais au départ. Et je me prends tellement fort. Oh là, je m'en prends tellement plein les dents. Heureusement que j'ai pris du soin. Et heureusement que je riposte. Ça résiste au feu alors que c'est du pollen. Non mais la logique, voyez-vous, nous on fait pas pareil que tout le monde. On est des visionnaires, Capcom évidemment. Alors là je sais qu'il y a un mec.
Alors il y a ça déjà. Parce que ça, c'est un endroit pour farmer aussi. C'est l'île Moa. Il me semble que c'est un truc genre Moa, l'endroit. Maori. J'étais presque. Et là, il y a un mec. Alors, ah bah voilà. Notre maître est de mauvaise humeur et c'est un vrai danger. Hein. Non, il a été renvoyé en tant que magicien royal, il a été renvoyé ici. Ah bah, eh. Est-ce que je suis pas un petit peu un génie? Je l'ai vu. Visionnaire. Hey, que veux-tu? J'ai besoin de mon aide. Ah, j'aime pas le temps d'écouter ces histoires. Si t'as envie de parler de jolies filles, nous pouvons discuter toute la nuit. Ah oui. Ok, non, c'est bon, je comprends. Attends, non, attends. Voilà. Oh, qui es-tu? Oh, j'écouterai que les gens qui me plaisent. Quoi? Quelqu'un veut faire un régime et perdre du poids? Oh, les régimes sont ma spécialité. Ah, je suis l'homme qui a perfectionné le régime magique. Oh, je suis le meilleur au monde. Et qui a besoin de faire un régime? Quoi? La princesse de Musica? J'étais presque. Musica, ne serait-ce pas là où cette vieille bite m'a envoyé? Ah, j'irai pas là-bas. Ah, je veux pas y aller à Musica. Mais si tu insistes, je vais peut-être y réfléchir. Par exemple, si les jeunes filles m'embrassent. Oh là là. Nina. Ah mon Dieu. Oh, tu rougis! Ah, tu es si mignonne! Non, je ne pourrais jamais faire de mal à une aussi jolie fille que toi. Non, c'est pas que je pourrais pas, mais je le ferai pas tout de suite, alors ne t'en fais pas. Fais de rire, allons-y! Grâce à moi, même la femme la plus grosse du monde sera mince en un rien de temps. Ah, j'ai beaucoup de mal à tenir cette voix. C'est un peu compliqué. Je vais sortir un moment. Non, occupe-toi de la maison pendant mon absence. Allons-y! Yeah! Vous êtes très très fort. Nina, assis. Alors, il y a un truc que je me demande par contre, c'est. J'avais essayé de faire cet endroit, mais je suis beaucoup trop bas niveau pour le faire. Voilà, genre ça, je sais pas ce que c'est, je vais sûrement me faire défoncer les dents. Je sais pas ce que c'est, je vais sûrement me faire défoncer, donc ça va vous donner un petit peu une idée. Alors, je veux même pas réfléchir, je vais faire deux sorts. Ça va peut-être vous donner une idée sur qu'est-ce que c'est cet endroit. Ah voilà, clair. Bon bah écoutez, flamme 2, ça marche très bien. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis occupé ailleurs. Pour l'instant, pas de soluce, hein, au bout de 20 minutes. Meilleur score. Franchement, je pense que là on tient un world record. Mais on avance tranquillement. C'est à gauche, après et après c'est au nord. Je suis perdu. Et eh ben c'était juste au-dessus. Ah quel dommage. GPS, Michel, GPS. Voilà. Et il va faire nuit encore une fois. Bon, ça a début de soirée. Pardon, excusez-moi, possible, excusez-moi. Bon, pour une fois, pas, y a pas d'accro. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah, ça va être le moment doublage. Je suis chaud. Je suis chaud dans le. Je suis chaud. Oh, Ryan n'est toujours pas revenu. Ah, s'il ne se dépêche pas, il sera trop tard. Ah, toi! Yo, mamie! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste de voir cela. Non, tu sembles en pleine forme, comme d'habitude. Ah, c'est pas le moment de parler comme ça. Nous devons nous occuper de la reine immédiatement. Sa vie est en danger.
Je suis mieux. Oh oh oh, c'est vrai. Faisons une trêve tout de suite. Sauve la reine. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Laissez-moi voir. Ne la blesse pas, vieux fou. Ah, laissez-moi voir mon café avant de doubler. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas faire d'erreur à un moment comme celui-là. Celui-ci, ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est sérieux. Il y a quelque chose de mauvais dans son corps. Je tourne. Oh, what the fuck? What? C'est un problème. La reine est possédée par quelque chose. Oh non, elle est pas possédée. Son corps essaie de se changer en quelque chose d'autre. Ah, c'est apprécié. Ah, j'ai entendu des rumeurs sur les gens qui se changent en démons. Sans déconner. Ça peut pas arriver à la reine. Ah, c'est possible. La reine est têtue et gâtée quand elle était enfant. Ah, ses sentiments sont dans son cœur l'ont rendu vulnérable au démon. Ah, comme ma petite fille. Mais moi, le célèbre je la guérirai. Bougie, je sais pas. Je sais pas comment dire. Oh. D'abord, pour l'aider, j'ai besoin de leur aide. Ryu, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je peux pas faire cela tout seul. Pouvez-vous aller chercher le matériel pour sauver la reine sur l'île Maui? Enfin. Le matériel nécessaire est noté dans cette lettre. Je compte sur vous. Et on pouvait pas le faire avant qu'on parte? Si vous montrez cette lettre à mon assistant, il vous donnera ce dont j'ai besoin. Je compte sur vous. Mais dis donc. Mais tu pouvais pas le faire, genre. Normalement, un médecin, il prend son matériel de base, son nécessaire classique, et ça lui suffit pour environ 80% de ce qu'il doit faire, des interventions. Et toi, tu viens, les mains dans les poches, la bite, le couteau, et tu me dis, Stolpus, ah merde, j'ai oublié mon scalpel, retournez 3 km plus loin. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça, monsieur? C'est pas bien, c'est pas professionnel. Puis l'assistant va me dire, ah là là, oh, c'est vraiment dommage. Ah bah, ça y est, j'ai trouvé. Eh, ça y est, j'ai trouvé Origine. Eh, je cherchais ça tout à l'heure. Voilà, bah j'ai trouvé Origine. Voilà, bah Origine, c'est là. Et donc, du coup, si je veux y aller. Ok, il va falloir que je traverse une grotte, je crois. Ou une chaîne de montagne. Non, c'est une grotte. Bon, bah j'ai trouvé Origine, donc je vais faire le tour quand même. Y'a pas une petite plage où je peux y aller, où je dois vraiment faire un tour de ces mares? Je dois faire un tour de ces mares et je dois sans doute passer par là ou par une grotte au-dessus. Je sais où est Origine. Il y a quand même une amélioration. Il y a une amélioration certaine et il y a un arbre. Donc il me faudra Jean-Michel par aux arbres. Et j'ai fait le tour. Donc le mont Maori. Déjà, première chose à faire, je sais qu'un flamme d'eau et sorte de feu, ça tue les espèces de gros arbres moches des Glarts. Et il y a une fontaine, donc ça va m'économiser du soin. Donc il y aura du backtracking et évidemment il y aura du farm. Évidemment. What the fuck? Ouah! Ah, depuis combien de temps êtes-vous là? Ah, c'était un peu long, alors je faisais quelques exercices. Qu'a plus cher pour vous aujourd'hui? Qui soutenait? Ah, c'est une lettre du maître. Je vois. C'est sérieux, je comprends. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Premièrement, allez au sommet de cette montagne et cueillez quelques champignons. Ceux qui sont utilisables sont. Les oranges à pois jaunes. Les champignons qui ressemblent à celui-ci. Il y a d'autres champignons qui sont utiles, alors faites attention. D'accord, il me faut des oranges à pois jaunes. Retenez ça. Cueillez des champignons oranges à pois jaunes. Donc du coup... Yes. J'ai même pas passé le premier truc.
Alors, une mitochondrie. Une myconide. Alors, attaque, attaque. Flamme. Ah, explosion atmosphérique. Et bah, sur la mitochondrie. Je vais appeler ça mitochondrie. Je sais pas, je trouve ça drôle. Il m'en faut peu. Il m'en faut très très peu. Ah mais je peux faire cette île maintenant. Bah, première nouvelle. Première nouvelle. Bon, cette île semble beaucoup plus simple dans que dans mes souvenirs. Bon, ça fait petit donjon. C'est bien. Ça fait petit donjon. Donc des oranges à pois jaunes. Il faut retenir. Oh, ça va être très long. Ah, y'a une grotte. Y'a quoi dans la grotte? Oui, je suis curieux. Ah, les mitochondries. Les mitochondries. Bon, là, je connais. Flamme 2. Il y a quasiment pas besoin de flamme 2, juste flamme sur un ennemi, vu que j'ai plus de vitesse qu'eux. Ah, mince. Donc déjà, je commence à élaborer des stratégies. Ça va être très long. Attendez, hey, il y a un coffre. Il y a un coffre, je peux pas partir sans le coffre. Il y a deux coffres. Ah. Alors attendez. Je vais tester vent et bombe sur la tête. Mais bon, en fait, bombe, ça sert à rien. Je retiens. Merci. Au moins j'ai le sort. La logique voudrait que un élément caillou, mais qu'est-ce que j'en fais ? Tout ce qui est en pierre craint le vent. Dans ma tête, c'est ça. Dans ma façon de raisonner, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Un fouet. C'est un fouet, donc il faudrait que je l'équipe sur Michel Lafleur. Ça, je connais. Pas besoin de magie quand il y en a un seul. C'est bien ce genre de petit donjon tout tranquille. Je sais, j'ai les stratégies pour chaque ennemi. Je sais ce que j'ai à faire. Et là-bas, il y a une sortie. Je vais y aller. Histoire de voir. Un remède. C'est utile un remède. J'en ai pas eu une grande utilité jusque là. Mais c'est toujours utile. Donc Nina, on va changer de stratégie. Le vent, ça sert à rien. On va tester froid sur le caillou. Et Sten va finir la mitochondrie. La myconide. C'est pas facile. Grande résistance quand même. Ah, semblerait-il que ça craint le fou. Ah, ah, ça, oui, d'accord. On est là-dessus, donc le froid c'est pas très utile. On va tester les flammes du coup. La myconite quand même, ça doit être compliqué. Donc je vois quand même les dégâts de flamme. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bon, on va rester sur... non, pas de sort. Je perds un peu de magie si jamais il y a un boss, mais... C'est pas grave. J'aurais dû racheter une noix. Ah bah d'accord. Bon bah
Ceci est une zone totalement optionnelle. J'accepte. Il y a quoi ici? Il y a un coffre. Est-ce que c'est un piège? Ouh, une épée de flamme. Alors ça. Ah bah là je réfléchis même pas. Du coup attends, couteau, toi tu utilises une bague et toi c'est des bâtons, ouais. Du coup la lame pure, je pense que je la mettrai sur Jean-Michel Crapaud. Ça doit être plus zombie qu'autre chose. Ah quand même ça résiste un petit peu. Ça résiste un peu, fais voir les dégâts. 102. En normal, ça va. Gros dégâts. Déjà, épée de flamme, moi ça me va. Mais il y a un plus gros coffre au fond. Alors, oh ça y est, ça commence à se séparer en plusieurs chemins. Là, je sens que je vais perdre tout le monde. Je vais surtout me perdre moi. Ok, c'était pas là où je devais aller. Bon, déjà le coffre là-bas. Pour le moment, ça se passe bien. J'attends le moment où ça va me dire « Hey, salut !» Tu vas souffrir ? Tu vas souffrir. Est-ce la bonne stratégie ? Je ne pense pas. Ouais bon, alors Nina, c'était même pas la peine d'essayer finalement. Ah ouais d'accord, ok, donc c'est vraiment pas la bonne stratégie à adopter ce que je suis en train de faire. Ryu va attaquer. Kat aussi. Nina. Non, même pas Nina en fait. Un sort. Éclair et Sten, heureusement que j'ai du soin. Ok, dans cette situation, c'est Sten et Kat. Enfin, tout le monde sauf Nina. Si, même Nina. Donc tout le monde est rapide. Ah, ça c'est rare. C'est quoi 8.0? C'est un tremblement de terre. Qui va mourir? Ça fait mal par contre. Mais normalement, à ce tour-là, il est mort. Ça, je l'avais pas prévu. Donc, deux Ganga, ça pique. Mais 4000 d'XP, ça reste acceptable, dirons-nous. J'aurais dû acheter plus de soins si j'avais su. Flamme baissée. Qu'est-ce que c'est ça, baissée? Oh, un bouclier de flamme. Ah oui, c'est baissé, c'est bouclier. Non, alors attends. Ah, elle peut pas utiliser des boucliers. Putain. Eh ben, ce sera pour Ryu. Du coup, ça laisse un bouclier pour Nina. Et voilà, bah c'est tout. Ah si, quand même, 4 points de défense en plus. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça. Ah, la même. Ok, donc on va changer de stratégie. Nina, froid. Normalement j'ai froid de quelque part. Et Sten, alors explosion ça ne sert pas. Donc on va essayer de trouver une stratégie pour en faire un par tour. Bon, il y a un coup fort. Voilà, ça aide. Ça aide beaucoup. Ah, froid 2, ça, c'est très utile. Ça, c'est une information assez importante. Ça me prend combien? Ça me prend 10 de PM. J'espère que je vais pas en rencontrer d'autres.
Bon, allez. On va essayer d'aller vite. Quand même. Évidemment, faut que je dise ça. Ah, ça je connais. Ça je connais. Qu'est-ce que je vais me faire pour flamme 2? Non, on va juste faire. Oh, éclair, c'est pas mal. Et puis, ouais. Ça devrait le faire, éclair. Je devrais au moins réussir en. Non, même pas en tuer un, putain, quelle vitesse. 3 personnes, incroyable. Personne. Ça. Très fort. Ok, ça sert à rien. J'ai pas soigné 4. Erreur. Erreur de ma part. Grosse erreur même. Très très grosse erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, ça monte. Ah, il y a un coffre. Ah, il y a un coffre. Au secours. Là. Je sens que je vais devoir refaire cet endroit plus tard pour récupérer tout ce qui est tous les coffres. Ah, évidemment. Évidemment. La seule personne qu'il fallait pas endormir. Oh, 312 en coup fort. Enfin, 360, 12. Bon, le coffre plus tard. Au pire, je ferai une ellipse et puis je récupérerai les autres objets. Sors, oui. Soigne-toi. Très important. Parce que mine de rien, je sens qu'il va m'arriver un truc pas très sympa. Ah bah voilà. Ouais, je trouvais les champignons. Je sais. Oh, il y avait un truc. Ah! Est-ce que j'ai ramené le bon? Ah! Ça. C'était pas le bon champignon. Ok. Ah, le point, il est au milieu. D'accord. Ok, c'est moi. Bon, alors, ce que je vais faire, je vous le dis, je vais faire une ellipse et je vais déjà me soigner. Je vais faire une petite save et je vais un petit peu explorer les autres endroits. Si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je ferai des cuts. Mais ne vous en faites pas, tout ira bien. Pour le moment, je sais que je peux faire cet endroit sans trop utiliser d'objets. Donc on y va, c'est y part pour la session de montage et d'exploration. Ok. Bon alors déjà, voilà, explorer, exploration toute bête, toute idiote. Juste tout en haut, fallait juste aller tout en haut et paf, t'avais un coffre. Gratuit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La surprise. Alors que je me prends des vents doux. Très beau critique, le Sten. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est qu'est-ce que c'est ça?
Oh, goutte de lune, blaster PV et guéris statue. Bon objet, très bon objet, je retiens. Objet intéressant. Bon, du coup, je continue de mon exploration. Alors, ce coffre-là. Ah, une armure magma. Ça, c'est bien. Tu peux la mettre? Non. Voyons. 132. Alors, j'ai un souffle à air, sauf que tout le monde... Ouais, tout le monde a une meilleure défense. Yep. Bon, pour l'instant, je récupère pas mal d'équipements pour Ryu et il reste juste... Bah non, c'est tout. Il y a un coffre que j'ai pas eu, je ne sais pas comment l'avoir. C'est dommage. Bon, je retourne choper le champignon, tant pis pour ce coffre. Vraiment tant pis, dommage. Un peu triste, certes, mais... Si c'est juste une pièce d'équipement, ça peut passer. Si c'était de l'or, bon... Ça aurait été utile. Oh, je peux fuir, c'est bien ça. Bon, le bon champignon, il est... En fait, il n'était pas ici. Vous l'avez peut-être vu si vous avez mis pause sur l'accéléré. Mais il est de l'autre côté. Parce que oui, c'est bon, le point du milieu, il doit être aligné. Ça, j'ai compris. Attaque surprise, bah, Cassos. Oh, je peux pas, sérieusement. Sur ce groupe-là. C'est vraiment n'importe quoi. Non mais c'est bon, laissez-moi me barrer. Voilà. Non mais je vais pas me faire serrer les 4, c'est mort. Arrêtez. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Alors, hop. Le bon, il est ici. Sur certains. Hop, la téléportation. C'est bon. Pardon. Ah, c'est bon, c'est le champignon. Maintenant, je vais vous donner le matériel. Waouh. Trop bien. Le matériel est dans le coffre. Je suis sûr que le maître vous montrera comment utiliser. Faites-y attention. Si tout se passe bien, le maître pourra être pardonné et nous pourrions retourner dans cette région. Faites de votre mieux aussi bien qu'en mon nom. Bah, merci. Le miroir. Miroir. What the fuck? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce miroir? Oui, miroir. Attends, un peu de rangement. Un peu d'ordre. Hop. Miroir. Ah, miroir. Un miroir magique. Pourquoi pas? Écoute, Why not? Why not? Why not? Bon, il me reste un peu de temps encore pour cette session. Du coup, on va quand même aller voir la princesse. Je vais faire une petite sauvegarde. Aussi, le... Putain, Musica. Je vais y arriver. Mais en tout cas, mon Maori. Petit donjon sympa. J'appelle ça des donjons. Mais très sympa. J'ai raté un coffre. Hélas. C'est dommage. Non, juste au-dessus. Ouais, je vais aller voir le prêtre. Je vais juste refaire une petite ellipse pour aller boire un coup. Bah non, mais je me barre, foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix, je veux pas vous voir. Cassez-vous. Laissez-moi me barrer, bordel. Enfin, je m'en fous, je me soigne après. Ah mais... Arrêtez, c'est ridicule, monsieur. Voilà. C'est ridicule. Oh, je connais pas ça. Allez, pour la beauté. Ok, bon, c'est les petits ennemis, je pense.
Mais au moins pour le rajouter hein, à l'encyclopédie des monstres. Enfin, la barre de vie des monstres. Au moins ça. Toujours utile. Hop là, on va sauvegarder. Juste là, je vais pas me soigner, ça va, c'est grave. J'ai perdu 10 points de vie, ça le fait. Hop. Petite sauvegarde. Et... ellipse rapide. Attention, ça va aller vite. Incroyable, vous n'avez rien vu et pourtant il s'est passé quelques minutes. Donc, j'ai fait la petite sauvegarde. Je vais donc aller finir cette petit morceau de Kate. Et on va pouvoir s'arrêter. Bon, une fois qu'une session se passe bien. C'est très rare. Il faut le noter. Des fois, le jeu est sympa avec vous. Et c'est pas tout court. C'est bon, je suis là. Oh, le matériel a été réuni. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Ah, ce champignon va vous rétrécir. Puis j'utiliserai la magie pour vous envoyer dans le corps de la reine. Vous combattrez la mauvaise graine dans le corps de la reine. Vous devez la vaincre partout. Pour entrer et sortir de son corps, il vous suffit de parler dans le miroir et je vous ferai sortir. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil dehors avec le miroir. Alors prenez-en soin. Ah, je vais maintenant vous envoyer dans son corps. Êtes-vous prêt? Non. Ah, on est quand vous serez prêt. Bon d'accord, donc, après le donjon Maori, le donjon dans l'arène. C'est dégueulasse, et pourtant, je vais m'arrêter là finalement. Je pensais que ça allait être plus simple, mais non. Merci d'avoir suivi cette session, ce petit épisode en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. On avance encore tout doucement, mais on avance. Très important ça de le dire. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo, à la commenter si vous avez des petits trucs et astuces ou sur certains boss ou sur type d'équipement. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos tous les mercredis à 15h30 sur cette chaîne. C'est le créneau horaire. De me suivre sur Twitter où je suis présent, où je retweet des trucs, et sur Instagram où je raconte ma vie et où j'annonce aussi la sortie des vidéos et les projets en cours. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.